血盟封印需要一个主要血脉与四个次要血脉来组成，封印十分强大，主要血脉可以持续为封印提供力量，而次要血脉不行。血盟封印的解除方法为主要血脉杀死其他血脉的提供者，每杀死一个次要血脉提供者，封印都会变得脆弱。真是辛苦您了，英雄。Eh ben bonjour à tous et ben bienvenue, voilà. J'ai deux trois petits trucs à te dire. Bon voilà, du coup voilà, j'ai fini Warm Snow, hein, comme vous pouvez le constater. J'avais un build de malade, Avec des lances là, mon build là c'était de loin. J'ai lancé des plein de flèches de loin. Et c'est un délire de fou avec des flèches de feu et tout. Donc du coup j'ai lancé le truc là, premier boss, première fois que je le vois, hein. Donc je l'ai force try, hein. Je me suis dit on va lancer la vidéo, on sait jamais si je le force try, bah voilà, pas manqué. Donc voilà, en tout cas vraiment cool ce jeu, hein. Avec les dragons et tout ça, magnifique. Bon du coup vous avez pas vu les boss d'avant, mais peut-être qu'on en fera un live dessus, on verra ça, ou une vidéo. Ouais. Mais ouais, très très cool en tout cas, ouais. Très très sympa. Et ouais, là j'avais un build de malade, hein. Je sentais bien que j'allais le finir là, parce que bon, j'avais tout qui me souriait, quoi. On ramassait tout ce qu'il nous fallait. Du coup ça s'est bien passé pour cette run. Ah, c'est pour ça que je l'ai enregistré. Il avait l'air vénère ce boss de fin quand même. Alors, vraiment que j'étais bien monté, hein, si je puis dire. Mais va, bah, sympa. Bah après voilà, après il y a sûrement, on fera sûrement des runs en plus difficile, tout ça. 13 points j'ai. On a dû battre 13 boss à peu près, voilà, c'est ça, hein, pour faire une run. 50, plus de 50 minutes, je crois, hein, j'ai mis. Alors le truc, j'aimerais bien voir. Nouvelle statue débloquée, ouais, on a... Parce qu'en fait, on débloque des statues, c'est ça qui fait un build de départ, en fait. Ça, là, vous voyez, là, j'ai les épées, mais je peux avoir autre chose dans le dos, en fait. Allez, c'est... Chaque statue, elle apporte une sorte de build de départ. Là, t'as spécial pour l'alcool. Ça lance de l'alcool. Et après, avec le feu, ça fait plus de dégâts, tout ça. Donc, il y a plein de builds différents par rapport aux statues, en fait. Il y a à peu près... Ah mais je peux préparer les autres. Puis en plus j'en ai débloqué une nouvelle là, même deux je crois. Vu que à chaque gros boss qu'on tue, on débloque une statue. Donc un build différent finalement. Parce qu'au départ, je sais pas si vous vous rappelez pendant le live qu'on avait fait, on avait que Shura, on avait que celle-là là. Les 7 lames ou je sais pas quoi. Donc on avait potentiellement, on avait que deux builds différents.
Vu qu'il y en a deux par statue, du coup, ça fait pas mal de vides différents. Et qui change un peu le gameplay finalement. Il y a une épée là. C'est quoi ça? C'est Bouddha là. Bon, je découvre avec vous, comme ça, on découvre ensemble, vous voyez. Oh merde. Voilà, wow. What? Qu'est-ce qui s'est passé? On montait la clé. Ah d'accord, ça sert à ça les machins jaunes, mais j'en ai pas. Les âmes jaunes, copain. 5 points de clarté, je sais même pas c'est quoi la clarté. 6000. Ouais. Est-ce que c'est pas le mode difficile ou je sais pas quoi là? Merde. Bah attends, je suis bloqué. Ah, c'est juste pour faire ça. Là. Mais attendez. Comment on part? Attends, je suis con ou... Ah, peut-être que je prenne là. Ah oui, zéro. Force de la clarté. Vous recevez 100 points de clarté. D'accord. Donc ça, c'est la clarté. Dans le cauchemar interminable, votre clarté diminue peu à peu. Si vous perdez toute votre clarté, vos personnages s'endort profondément et mort. Vous perdez aussi de la clarté quand vous êtes attaqué par des créatures cauchemardesques. Ça fait peur. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle mécanique? Ouais, mais j'ai rien gagné là. Ah non, mais la clarté, c'est pas... C'est pas ça la clarté là. Ok, j'ai pas compris. Il y a une nouvelle mécanique là. Zéro. Ah, mais ça recommence une run. Ah oui, je vois, j'ai 100 à gauche. Oulala. Oh putain, oui. Ah ouais, d'accord, c'est le même plus difficile. Il y a le plus de loups, là. Ok. D'accord, il y a plus de monde. Ah ouais, ça a tout changé. Sympa. Bah, peut-être qu'on fera ça en live. Oui, bah voilà, c'est une bonne... Ok, ça va être le mode... Le refaire le jeu en plus difficile. C'est une sorte de New Game Plus, quoi. What? Attends, je suis déjà au château? Attends, mais c'est un speedrun. Attends. Ah là, je peux tracer. Attends, il y a tous les zones que j'ai fait en fait là. En mode rapide quoi. Ouais, c'est ça. C'est, derrière celle-là, c'est la plus belle zone avec les bambous, tout ça. C'est la plus belle zone du jeu. Mais what, c'est quoi ça? Entrée. What? Oh le monde! Ah ouais, la guerre! Bon, on va se laisser mourir, ok. Oh la vache, le monde qui a. Ok. Alors, attendez, du coup, je vais toujours mettre ce point. Il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas compris dans le jeu, hein. Je vais pas vous le cacher. J'ai pas tout compris encore. J'ai vu qu'on pouvait sceller des armes, tout ça, des... Voilà, à quoi ça sert de les sceller, je ne sais pas, c'est pas expliqué. En vrai, voilà, j'en essaye un, mais ça fait chier de gaspiller 5-6 âmes ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça que je voulais essayer là. Parce que ça, c'est pareil, j'ai toujours pas pigé aussi. Très d'informations chance d'apparaître. Ok, un bol de trésor, un compact de sang, les dames sanglantes apparaît. Au poste de transfert, il y aura la puissance qui manque. Contre des âmes rouges. D'accord. Donc la dame sanglante, c'est elle alors.
Le voleur vous donne deux récompenses en plus. Ça, c'est cool, ça. Parce qu'en fait, je peux en prendre que une. Je peux prendre les trois, alors. Je peux prendre les trois trucs, ça veut dire. Je vous laisse une âme rouge pour améliorer la chose. Débloque une nouvelle statue. Ah ouais, c'est bien, ça. 30. Ah, d'accord. On les a pas. En vrai, le double vol, ça me paraît pas mal. Hein. Deux récompenses en plus. Voilà. Et les autres, je vais les dépenser dans les armes. En tout cas, ouais, il est cool. C'est un jeu vraiment addictif. Hein. Très addictif. Bah, comme presque tous les roguelites. Hein. Ça fait exprès. Hein. Toujours recommencer. Faut aimer recommencer, par contre, hein, évidemment. Faut pas avoir peur. Et le but, c'est toujours de créer, c'est de trouver le build parfait. Pour arriver à la fin du jeu, quoi. Et c'est ça qui est bien, quoi. Trouver les bonnes combinaisons, des armes, des compétences. C'est ça qui fait la force de ces jeux-là. Attends, on va dépenser là. Voilà. Ça va, j'ai quand même fait pas mal de runs en off. Hein. Vous avez vu, j'ai quand même amélioré pas mal de trucs. J'ai assez joué pendant ces 2-3 jours, là. Je peux débloquer des reliques pendant la partie. Ça peut être vraiment bien aussi. Je vais le faire, je pense. Hop. Il me reste quoi, 3 points. En fait, il faut améliorer un peu tout. Hein. Tout est important. Voilà. Ah bien, la tête de relique. Commencer la partie avec une relique au hasard, ça c'est bien ça. Hop, on va faire ça. Ben voilà. Ah oui, il a mis la mettre là la relique. Ah ça c'est cool, commencer déjà directement avec ça. Et vous voyez, à force de débloquer des trucs comme ça, en fait, ça rend les parties plus simples au fil du temps quoi. Parce que ça, ce que je débloque là, c'est pour toujours en fait. C'est à chaque nouvelle run, j'aurai ça quoi. Vous voyez là, par exemple, j'ai 109 PV tout en haut à gauche, à côté du cœur. Alors qu'au tout début, la première run, on était à, je crois, à 100, même pas. Donc voilà, c'est pas énorme en plus, mais. Donc là, j'ai débloqué des autres statues. Ben, on les a tous, je crois. Donc là, tout ça, je connais pas quoi. Tonnerre furieux, fantôme. Après voilà, faut lire, faut bien comprendre. Et après tu peux faire des builds de malade mental. Ok, donc il y a le froid, le tonnerre, il y a un peu sur tout. Là, par exemple, si je prends ça, ça change mes armes. Et ça change même la tenue en plus. Donc en fait ça c'est le mode. Alors attendez, parce que pour moi. Le mode difficile pour moi c'était ça là. Ah c'est ça. Ah voilà, neige légère, les chances d'obtenir une relique de qualité supérieure augmentent. Les chances d'obtenir une arme de qualité supérieure augmentent légèrement. Des ennemis, ah ouais. Ah oui, donc t'as des malus et des bonus. Ouais, on regarde ça. Ah, du coup c'est un autre truc alors ça. Bon, ok, on verra ça. Peut-être qu'on fera un live dessus. Je sais comprendre en off, on va voir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu ces petites vidéos. Voilà. Bon, vous aurez eu le boss de fin. Il y a peut-être un boss caché, j'imagine. Peut-être dans le mode difficulté plus difficile. Je ne sais pas. A voir. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer ça et vous expliquer un petit peu. En tout cas, bien cool ce jeu. J'aime beaucoup. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour suivre toute l'actualité de mes lives et vidéos, bien entendu. Merci à tous en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et bye bye.